Maman, notre bus va bientôt arriver. Faut qu'on y aille, c'est l'heure. Hé, Helminus, tu viens m'aider? Yanis! Yanis, ne t'approche pas trop du bord! Maman? Je t'aide seulement si tu me montres encore une fois. Ah... Et alors, ils vont me couper ce truc-là? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Des œufs de grenouille. Tiens ma force, je descends. Je tiens plus. Arrête de râler. Serre fort, t'as pas intérêt à me lâcher. C'est pas vrai, t'es trop nul. Arrête de te foutre de moi. Je trouve ça marrant, c'est tout. Et maintenant, regarde, à cause de toi, tous les œufs ont disparu. Hein? Par ta faute, je parlerai plus. Alors tu ne pourras plus parler? Non, je parlerai plus jamais, voilà. Hé, hey, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Yanis, mais enfin, qu'est-ce que je t'avais dit? Allez, remonte. Vite, donne-moi ça. Tiens. Alors, voilà, génial. Maintenant, tu vas devoir aller à l'hôpital en pyjama. Lève les bras. Tiens. Ah, maman, Max doit aller au lit à 7h30. Surtout pas plus tard, hein. Je compte sur toi. Je vais dire au bus de vous attendre. Oui, bonne idée. Oh, maman, peux-tu mettre les affaires de Yanis à la machine et les faire sécher? Comme ça, quand tu viendras le voir à l'hôpital, tu me les ramèneras pour... Tiens. C'est vrai que tu ne parleras plus? Quand tu auras trouvé des œufs, je reparlerai. Les œufs de grenouille, ça peut tout guérir. Tu sauras les reconnaître. J'ai pas le droit de m'approcher de l'eau. Ce sera notre secret. Stop! Viens, Yanis, vite! À bientôt, mon cœur. Allez. Secret est compris. Tu y arriveras? Ok, on a tout. Allez, vite, monte! Dépêche-toi! À bientôt! Au revoir! Bon voyage! Allez, viens, Max. Faut aller s'occuper des animaux. Mamie? Oui? Est-ce que Yanis ira mieux quand il sortira de l'hôpital? Oui, de toute façon, c'est qu'une toute petite opération de la gorge. Et après, est-ce qu'il pourra parler? Non. Pas tout de suite. Max, approche, viens voir. Oh, une grenouille! Non, c'est un crapaud.
Tu vois? Sa patte est presque guérie, regarde. C'est parce que tu lui as donné des œufs de grenouille? Pourquoi des œufs? Oh non, pour rien. Je peux le prendre dans mes mains? Oui, bien sûr. Voilà, comme ça. Il est mignon, hein? Pose-le par terre. Comment il s'appelle? Trompette. Salut, crapaud. T'as l'air guéri, toi. Regarde. Regarde celui-là. Un hérisson. Oui. C'est quoi sa maladie? Il était un peu faible. Mais il va beaucoup mieux. Tu peux le toucher, tu sais. Oui. Voilà. Son oreille s'est infectée. Il faut lui changer son pansement. Bravo, très bien. Maintenant, un morceau de sparadrap. Voilà. Et maintenant, est-ce que vous pourriez me passer cette bouteille, là, docteur? Celle-ci? Oui. Et tu mets juste quelques gouttes. C'est bien. Maintenant, tu prends le coton et tu le poses sur son oreille. Juste sur la blessure. Tiens-le bien. Tu fais un très bon docteur, toi, hein? Il est mignon, son nez. Il est adorable. T'as vu quand il tortille le bout du nez? Je vais me promener. Hé! Mais j'ai encore besoin d'aide. T'as pas dit que tu voulais manger des crêpes? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Un peu de farine. Et une poêle. Attrape-la. Un, deux, et trois. Des œufs. C'est parfait. Encore un œuf. Et maintenant, la farine. Oh! On en a mis un peu trop. Maintenant, moi, je verse le lait et toi, tu remues. Tu bats bien. Allez, remue bien fort. Oui, continue de remuer. Très bien. Encore un œuf. Vas-y, casse-le. Comme ça. Et maintenant, on met la poêle sur le feu. Miam, miam, ce dit mon bidon. Faisons des crêpes, oh oui que c'est bon. Mettons au choix du chocolat ou du sirop. En tout cas, je suis sûre que je vais en manger des kilos. Ouais! D'abord une cuillère de beurre dans la poêle. Les crêpes de Mali, ça vaut bien 4 étoiles. Pas bien sorcier, les crêpes, c'est vraiment succès assuré. Tout le monde peut y arriver, faut juste penser à la retourner. Boum! Miam, miam, ce dit mon bidon. Faisons des crêpes, oh oui que c'est bon. Mettons au choix du chocolat ou du sirop. En tout cas, je suis sûr que je vais en manger des kilos. Ouais! 1, 2, 3, 4, et ça saute! Oups! Oh oh! On va quand même pas manger au plafond. Oh petite crêpe, peux-tu m'entendre? Patience, Max, elle finira bien par descendre. Je vais attendre. Max, attention, ne rate pas ton coup, elle va tomber sur le plancher. Regarde, je vais l'attraper avec mon nez. Mettons au choix du chocolat ou du sirop. En tout cas, je suis sûre que je vais en manger des kilos. Regarde, mamie. Très jolie. Elle est très belle. C'est dommage de la manger. Tu sais quoi? On l'accroche au mur. Hey! T'es content?
Mamie? Oui? Est-ce que je peux aller jouer dehors maintenant? Ce soir, il faut que tu ailles te coucher tôt. Tu dois dormir. Demain est un autre jour, hein? On le relâchera dans la nature tous les deux demain matin? Oui. C'est pour toi. Merci. Les moustiques. Des bourdons. Regarde ces trompettes, ça. Oui. Je peux le sortir du seau? Oui, bien sûr, si tu veux. Mais fais attention de ne pas marcher dessus. Allez, mets-toi au lit. Voilà, je vais te border. Tu fais un gros dodo, hein? Oui. Oh, enfin trompette! Alors là, tu exagères. Tu vas empêcher Max de dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Demain matin, tu vas retrouver la liberté. Et moi, j'irai chercher des œufs de grenouille pour Yanis. Bonne nuit. Dors bien, trompette. Alors, on le relâche? Oui. Oui? Attention, il va se transformer en princesse. Tu veux bien le tenir un instant? Non, pas ici. Max, on dirait que Trompette commence à s'impatienter. Ici. Tu en es certain? Oui. Comment il va faire pour retrouver son chemin? Oh, ça, ne t'inquiète pas pour lui. Au revoir, Trompette. Allez, salut, Trompette. Prends bien garde en traversant la route. Allô? Ah, bonjour. Ok, ok. On arrive. À tout à l'heure. C'était maman. Yanis a été opérée. Viens. Mais je voulais jouer dehors. On arrête avec les mets. Allez. Au revoir, Trompette. Bye bye, Trompette. Je vais chercher nos affaires. Moi, je vais jouer. Pas près de l'eau, hein? Max, ah. Où es-tu? Max, on va être en retard. Voilà. Mais qu'est-ce que tu as? Rien, je sautille pour m'amuser. Ah, d'accord, sautillons pour nous amuser. Allez, viens. Yanis va nous attendre. Tu m'aides à pousser? Oui. Allez, Max, pousse. J'ai envie de faire pipi.
arrêter. Tu peux descendre. Envie d'aller voir ton frère? Non, ne vous en faites pas. La fièvre a baissé et l'infection devrait disparaître dans quelques jours. Merci. Oui, il dort pour l'instant, oui. Oh, Max est là. Je t'appelle tout à l'heure. Oh. Hey. Salut. Alors? Salut. Alors, c'était bien chez mamie? Oui. Mmh. Écoute, tu peux rentrer. Mais faut pas faire de bruit, ok? Mes bras sont trop courts, je pouvais pas les attraper. Alors, mon grand, ça va? Tu te sens bien? Oh, tu viendras dormir chez mamie bientôt, oui? D'accord, marché conclu. Allez, je vais dire au revoir à maman et je m'en vais. Sois gentil avec ton frère, toi. Hein? À bientôt. Au revoir. À plus tard. J'ai essayé de les attraper. Bonjour. T'es réveillé? Le médecin voudrait t'ausculter, d'accord? Yanis? Ouvre grand la bouche. Ah, ah. Faudra faire attention pendant quelques jours. Ouvre, ouvre grand. Tu restes par ici, hein? Mamie! Tu as fait tomber quelque chose? Non, je cherche des œufs de grenouille. J'ai jamais vu de grenouille par ici. Il faut aller à la campagne pour ça.
Tu peux me laisser passer, s'il te plaît? T'as pas de parents? T'es vraiment orphelin? Oui. Où est-ce que tu vas? À la campagne. C'est là-bas que t'habites? Oui. Tu veux qu'on soit amis? Non, j'ai horreur du rose. Moi, j'aime bien, mais on peut jouer ensemble quand même. Non, je suis pressée. Tu veux bien me donner ce bocal? Si tu acceptes d'être ma victime, oui. Ok. Viens avec moi, alors. Regarde, ça c'est mon bac à sable. Il n'y a que moi qui ai le droit d'y aller. Regarde, c'est chouette, non? Voilà Parco, Coco, Sarah et Gouli. Tu veux bien me donner ce bocal? Non, pas encore. Tu es ma victime! Voilà ma mallette de médecin, j'ai plein de pansements, j'ai plein de pansements, j'ai plein de pansements, j'ai plein de pansements. Je trouve ça ravissant. Et cette blessure, et cette griffure, il y a une bosse, juste sur cet os. Je me suis fait une méchante blessure au mollet. Je suis rentrée dans un tronc d'arbre enragé. J'ai plein de pansements, j'ai plein de pansements, j'ai plein de pansements, j'ai plein de pansements. Je trouve ça ravissant. J'ai aussi une coupure dans l'encolure. Et un moustique m'a fait une grosse piqûre. Tu vas bientôt guérir, pendant ce temps t'es mon patient. Tu vas bientôt guérir, pendant ce temps t'es mon patient. Tu vas bientôt guérir, pendant ce temps t'es mon patient. J'ai plein de pansements, 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 j'ai plein de pansements. Je suis guérie. Il faut tenir ses promesses. Non, c'est pas terminé. Maintenant, on va jouer au vétérinaire. Et c'est encore toi qui feras la victime. J'en ai aucune envie. C'est comme ça. Je l'ai eu. T'es pas sympa. Je suis plus ta copine. Viens là, petit. Ton billet. Où est-ce que tu vas? Je vais aller à la campagne. Est-ce que ta mère le sait? Tu ne monteras pas dans mon bus sans une maman et sans un billet. T'as les fils? C'est bon. La victime. J'ai plus besoin de victime. Je veux jouer qu'avec des animaux, on peut leur faire confiance. Et rends-moi mon bocal à Sparadrap. Non, j'ai besoin de ça pour Yanis.
tu vois les petits trucs là? Ils lui ont enlevé à l'hôpital. Il faut que j'y trouve des œufs de grenouille, sinon il parlera plus jamais. Et les œufs de grenouille, c'est un médicament? Oui. Regarde, ça c'est des œufs de grenouille. Tu vois là? Mais qui c'est, Yanis? C'est mon frère et j'ai vu plein d'œufs de grenouille du côté de chez ma mamie. T'es pas orphelin alors? Un orphelin, il n'a pas de mère et pas de père. Il n'a pas de frère et pas de grand-mère. Attends! Je te dis que je suis orphelin! Ma mère m'a abandonnée dans la rue quand j'étais encore bébé! Comme ça, dans un carton avec Yanis! Alors, elle est où, ta mère? Elle est partie. Elle voulait plus de nous. J'ai plus que ma grand-mère. C'est triste, hein? Et ta grand-mère, elle te laisse dans un carton? Non, ça, c'est pour les animaux malades. Et elle les soigne? Oui, on a un lapin qui a une oreille toute affectée. Et puis un hérisson qui se repose dans le placard. Et mon crapaud de trompette que je viens juste libérer. Tu crois qu'elle a besoin d'une assistante? Oui, et moi je l'aide pour mettre les bandages. Et je t'accompagne. Tu connais la route? C'est par là. Ok. Nous partons à la rencontre des animaux malades. Et des œufs de grenouilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, t'as cassé mon vélo. Je l'ai pas fait exprès. Je veux que tu répares mon vélo et vite. Maintenant. Et dépêche-toi, tu entends? Ma mère met un sparadrap d'habitude. Les bocal à pansement. Oui, bonne idée. Ça marche pas. Il va falloir qu'on y aille à pied. D'accord. Si on courait. Et mon vélo alors? On laisse, on repasse plus tard. Ah non, il n'y a pas d'antivol sur ce vélo, tu vois bien. On n'a qu'à bien le cacher. Regarde, ça c'est une belle cachette. Pourquoi tu parles tout bas? Pour que les voleurs n'entendent pas. Non, pas du tout. Attends, j'oublie ma mallette. Et les bêtes malades nous attendent. Et les œufs grenouilles. Oh. T'as loupé. C'est pas vrai. Toi, t'as marché sur la ligne. Oh. C'est encore loin? Il va falloir marcher tout ça. Et après, c'est encore plus loin. Vite, dépêche-toi. Mais j'ai pas de billet, moi, écoute. Et alors? Tu vas voir le chauffeur du bus? Dépêche-toi, viens. Thank you.
Quelqu'un ? Y a quelqu'un ? Heureusement qu'il nous a pas vus. Et maintenant, par où on va? Pour le papillon. Il en veut pas. C'est une fille. Comment tu le sais? Si c'est beau, c'est forcément une fille. Pas du tout. Les garçons, c'est beau aussi. Allez, on va chez mamie. Ah,
Et maintenant? Regarde, là-bas! Salut! Bonjour! On peut venir t'aider, si vous voulez. Coucou, petit. Chérie, tu viens? On va passer à table. Oui, j'arrive tout de suite. Tu connais ma grand-mère? Quelle tête elle a? Elle a un tas d'animaux différents et elle porte des bottes. Non, je l'ai jamais vue. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Où est ma mallette? J'ai perdu ma mallette. Je veux la retrouver. Je veux ma mallette. Je veux retrouver ma mallette. Je rentre chez moi. Donne-moi la main. J'en ai marre. Mais grand-mère a vraiment besoin d'une infirmière. Ça m'est égal. Un médecin, ça doit pas être aussi sale. Bien. Moi, je m'en vais. Je m'en vais, je te dis. Attends, viens là, viens m'aider. Allez, mets-toi dessous. C'est moi qui ai gagné. Pourquoi ça? C'est toi qui as ri en premier. Non, moi je fais pas comme ça, regarde. À toi, cherche quelque chose aussi. Ça c'est bon? Oui. Prends cette pierre et moi je garderai toujours ce boulon sur moi. Et quand on se fâchera, alors tu me rendras ce caillou et je te rendrai le boulon. Ça veut dire que je suis ton amie? Non, pas encore. Je jure de dire la vérité tout le temps et rien que la vérité toute la vie. Maintenant à toi. Je jure de dire la vérité tout le temps et rien que la vérité. Maintenant t'es mon amie.
Viens voir ça. Regarde. Fais bien attention à regarder du bon côté avec ce truc. Désolée pour toi. Et pourquoi? Parce que t'as pas de maman. Ça te rend triste? Si je te dis la vérité, on pourra quand même rester amis. Hé, regarde, des vaches! Les vaches, ça donne du lait, ils l'ont dit à la télé. Viens voir! Salut les vaches! Ouh, les vaches! Les vaches! Je veux du lait! Ouais, on veut du lait! On a soif! On a soif! On va tirer sur leur mamelle! Venez là, on a soif! Jessie, oui? Il faut que je te dise que, en fait, la vérité, voilà. Hé, regarde! Un copain à toi! Non, je le connais pas. Bonjour, je m'appelle Jessie et lui, c'est Max. Il est orphelin et moi, je suis infirmière. Et je m'occupe de tous les animaux malades. Ja cię nie rozumiem. Ja pochodzę z Polski. Regarde, c'est du vrai lait qui sort. Ça me fait bien envie. Ça a l'air délicieux. Il y arrive bien, lui. Ouais. Proszę, twoje mleko. Toi d'abord. Il est tout chaud, le lait. C'est parce que les vaches sont en plein soleil. Muszę lecieć, papa! Cześć! Regarde, je suis un petit vieux. Et moi, je suis une danseuse. C'est drôlement marrant de marcher comme ça. Et maintenant, je suis un soldat. Oui, on est tous les deux des soldats. Hey. La marche de la chenille. La chenille marche comme ça. La chenille marche comme ça. L'araignée marche comment? Elle marche comment? L'araignée marche comme ça. L'oiseau vole comme ça. Il bat des ailes comme ça. Et l'oiseau vole
bat des ailes, il bat des ailes, il bat des ailes comme ça. Et l'oiseau vole, et l'oiseau vole, et l'oiseau vole comme ça. Jessie, rends-moi ce bocal ou tu vas finir par le casser. Fais comme ça. T'as pas de dents toutes noires, toi? Le garçon, il en a plein. Je suis certaine qu'il a pas de maman et de papa. Pourquoi? Parce qu'il t'oblige à te laver les dents, les parents, non? Tu vas finir par perdre mon boulon si tu fais ça. C'est bizarre que tu sois pas tout le temps en train de pleurer. Moi, si j'avais pas de parents, je passerais toute la journée à pleurer. Pourquoi tu pleures pas, toi? T'es vraiment orphelin? Faut que je te dise quelque chose. Ferme les yeux. C'est très important. Tu me le diras après. Ok. Ouvre-les maintenant. On a réussi. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oh, rien, c'est pas important. Je veux savoir. Non, c'est pas grave. Je te le rendrai quand tu me l'auras dit. Alors? J'ai une maman en fait. Quoi? J'habite dans un appartement. Tu as menti alors? Le caillou. Mon père, il est vraiment parti. Mon caillou. Dépêche-toi, rends-le-moi. Tu as intérêt à me rendre ce caillou tout de suite. Tu vas me manquer. Merci beaucoup. Rends ça, c'est à moi. C'est pour Yannis, sinon il parlera plus. Ça m'est égal. C'est moi qui ai trouvé les œufs. Tu es un menteur et un traître. Je suis sûre que t'as menti au sujet de ta grand-mère et des animaux malades et aussi des crêpes.
sanglier. Il avait mal à cette patte-là. Et voilà, ma grand-mère l'a bien soigné. Tu veux le prendre dans tes mains? Il faut le relâcher. Il va beaucoup mieux. Il n'a plus besoin de nous, il faut qu'il vive dans la nature. T'es toujours fâchée? Je t'ai pas menti pour ma mamie, c'est vrai, elle soigne les animaux. Et pour les crêpes aussi, j'ai dit la vérité. D'abord, il faut que je les goûte. D'accord. Oh! T'as eu peur? Et toi? Non, non. On n'a pas peur. On n'a pas peur du hibou, ni du renard dans la cambrousse. On n'a pas la frousse. Moi j'ai peur quand je vois un ballon. Un ballon? Quand ça éclate, je déteste ce son. J'ai toujours eu peur de la cuvette des WC. Je me dis souvent, et si elle m'avalait? Mais on n'a pas peur. On n'a pas peur du hibou, ni du renard dans la cambrousse. On n'a pas la frousse. Avant j'avais peur du poisson posé dans le plat, car les poissons ils te regardent comme ça. J'ai peur lorsque je suis invitée à un repas et que je suis forcée de manger ce qu'il y a. Mais on n'a pas peur. On n'a pas peur du hibou, ni du renard dans la cambrousse. On n'a pas la frousse. Moi j'avais peur de mes vêtements neufs. Des vêtements? Je craignais de les abîmer en tombant. Moi j'avais peur de la tante Sandra, parce qu'elle me serrait très fort dans ses bras. Mais on n'a pas peur. On n'a pas peur du hibou, ni du renard dans la cambrousse. On n'a pas la frousse, on n'a pas peur. On n'a pas peur du hibou, ni du renard dans la cambrousse. On n'a pas la frousse.
Regarde. Waouh. Regarde ces bois comme ils sont grands. J'en veux un comme ça quand je serai plus grande. Ma grand-mère dit que les cerfs, ça peut vivre au moins 25 ans. Si vieux que ça? C'est l'âge de mon cousin. Et maintenant? T'en sais rien, c'est ça? C'est pas drôle, arrête de rire. C'est le seau de ma grand-mère pour mettre les animaux. On est arrivés. Le seau des animaux? Regarde, il y a une grenouille. Faut que je la montre à ma grand-mère. Regarde, elle est là, la maison. Alors ça, c'est l'hôpital des animaux? Oui, cours. Attends, je mets ma blouse. Passe-moi mon patient. Tellement de soucis. Oh, mon cœur, j'ai été si inquiète. Regarde une grenouille. Oh, elle est très jolie, cette grenouille. Et toi, qui es-tu? Jessie Hoogbergen. Enchantée. Bon, mets cette grenouille dans la boîte, là. Je vais téléphoner à vos parents. Mouah. Oui, allô? Elle est mignonne, hein, oui. Est-ce qu'elle est née là, s'il vous plaît? Elle est encore plus belle de près. Ouais. Oui, c'est sa mère. Viens, on va en haut. Ah, Hélène, bonne nouvelle. Oui, je l'ai retrouvée. Oui, il est avec une petite copine. Elle s'appelle Jessie Hoogbergen. On devrait essayer d'appeler ses parents. Ta-ta-na-na. Comme il est joli. Ah, oh, il est trop mignon. Je t'avais dit qu'on avait des animaux malades. Mm-hmm. Max? Il est joli, hein? Oui. Max, maman va venir vous prendre. Yanis vient avec elle? Oui, bien sûr qu'il vient. Hé, hey, qu'est-ce que tu as là-dedans? Où? C'est quoi ça? Des œufs de grenouille. Chut! Montre-moi. Oh, magnifique! C'est pour Yanis. Sans ça, il ne pourra plus reparler. Chut! C'était pour ça, cette balade? Tu peux la libérer, celle-ci. Elle est en grande forme. Elle n'a pas besoin d'une infirmière? Non, mais j'ai besoin de toi pour autre chose. Un lapin. Comme ça. Oh, parfait. Max, j'ai un autre patient pour toi. Où ça? Là-bas, sur la table. Va le chercher. Oh, doucement, doucement. Très bien, ouvre le bec maintenant. Ça a l'air bon. Il est mignon, hein. Ouvre le bec. Les manches. Vas-y. Tenez, un verre pour l'infirmière et un verre pour le docteur. Et ensuite, ce sera pique-nique, crêpe et marmelade. Oui. C'est dégoûtant. Mais il faut que tu le boives. Oui, il faut, sinon tu pourras pas reparler. Max! Maman! Là, là, toi. Où
tout était passé. Hein? Qu'est-ce que c'est, ça? Des œufs de grenouille. Oh. Oui, sinon Yanis, il perdra sa voix. Dis donc, Yanis, c'est quoi ce gros mensonge? C'est faux, alors? C'est pour ça que tu as disparu? Yanis? Il pouvait rester chez mamie, pas moi. Tu t'es moqué de moi! Rends-moi ça! Les enfants, voilà les crêpes. Et Yanis, venez. Je te parlerai plus jamais. Alors Yanis, qu'est-ce que tu lui as raconté? Vas-y, je t'écoute. C'est pour toi, Max. Merci, mamie. Jessie. Merci. Tu en veux une, Yanis? Ça te fera du bien. Tiens. Et toi? Oui, merci. Tiens, voilà. Tout le monde est servi? Je crois que c'est la meilleure crêpe que j'ai jamais mangée. Tiens. C'est à toi? Non. Tu peux les garder. C'est vrai? Seulement si on peut s'en occuper aussi. Où est-ce que tu étais passé, chérie? Je pense que cette mallette est à toi. Oh, merci, monsieur. Y'a pas de quoi, mademoiselle. Max. Hey, j'ai aussi retrouvé ton vélo. Viens voir vite. Regarde. Super, t'as retrouvé ta mallette. Et lui, c'est mon papa. Ta-ta-ta. Ouais, salut. Bonjour, moi c'est Max. Je suis son papa. Alors profitez-en. Prenez. Merci. Il y a du sirop d'érable. Qui veut de du la citron confiture, pressé? Du sucre. Moi j'en veux bien. Je savais pas qu'on pouvait caresser un hérisson. Je pensais que c'était plein d'épines. Il est là! Il suffit juste de les caresser dans le sens du poil. Crapaud, mon vieux, n'aie pas peur. Je t'ai connu plus voltigeur. Saute, bondis à travers le pré. À moins que tu ne préfères les marais. Voyons voir s'il sait sauter, ce crapaud. On dirait qu'il a pas envie. Pourquoi il saute pas? Laisse-moi faire. Maman! Quoi? Oh, regarde! Montrons-lui comment on fait. Et comme avant, il pourra sauter. Accroupis-toi et pose tes mains à plat. Et saute, saute, saute comme autrefois. J'ai plein de pansements, je trouve ça ravissant. J'ai plein de pansements, je trouve ça ravissant. Tu vas bientôt guérir, pendant stopper mon patient. J'ai plein de pansements. Se dit mon bidon. Faisons des crêpes, oh oui que c'est bon.
Mettons au choix du chocolat ou du sirop. En tout cas, je suis sûr que je vais en manger des kilos. Ouais! Miam, miam, se dit mon bidon. Mettons au choix du chocolat ou du sirop. En tout cas, je suis sûr que je vais en manger des kilos. Ouais! La chenille marche, la chenille marche. La chenille marche comme ça. La chenille marche, la chenille marche. La chenille marche comme ça. L'escargot marche, l'escargot marche, l'escargot marche comme ça. L'escargot marche, l'escargot marche, l'escargot marche comme ça. Saute! Accroupis-toi et pose tes mains à plat. Et saute, saute, saute comme autrefois. Où est-ce que tu vas? À la campagne. C'est là-bas que t'habites? Oui. Tu veux qu'on soit amis? Non, j'ai horreur du rose. Moi, j'aime bien, mais on peut jouer ensemble quand même. Non, je suis pressée. Tu veux bien me donner ce bocal? Si tu acceptes d'être ma victime, oui. Ok. Viens avec moi, alors. Regarde, ça, c'est mon bac à sable. Il n'y a que moi qui ai le droit d'y aller. Regarde, c'est chouette, non? Voilà Parco, Coco, Sarah et Gouli. Tu veux bien me donner ce bocal? Non, pas encore. Tu es ma victime! Voilà ma mallette de médecin. J'ai plein de pansements, j'ai plein de pansements, j'ai plein de pansements, j'ai plein de pansements. Je trouve ça ravissant. Et cette blessure, et cette griffure, il y a une bosse juste sur cet os. Je me suis fait une méchante blessure au mollet. Je suis rentrée dans un tronc d'arbre enragé. J'ai plein de pansements, j'ai plein de pansements, j'ai plein de pansements, j'ai plein de pansements. Je trouve ça ravissant. J'ai aussi une coupure dans l'encolure. Et un moustique m'a fait une grosse piqûre. Tu vas bientôt guérir, pendant ce temps t'es mon patient. Tu vas bientôt guérir, pendant ce temps t'es mon patient. Tu vas bientôt guérir, pendant ce temps t'es mon patient. J'ai plein de pansements, 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 j'ai plein de pansements. Je suis guérie. Il faut tenir ses promesses. Non, c'est pas terminé. Maintenant, on va jouer au vétérinaire. Et c'est encore toi qui feras la victime. J'en ai aucune envie. C'est comme ça. Je l'ai eu. T'es pas sympa. Je suis plus ta copine. Viens là, petit. Ton billet.
Où est-ce que tu vas? Je vais aller à la campagne. Est-ce que ta mère le sait? Tu ne monteras pas dans mon bus sans une maman et sans un billet. Allez, file. C'est bon. La victime. J'ai plus besoin de victime. Je veux jouer qu'avec des animaux, on peut leur faire confiance. Et rends-moi mon bocal à Sparadrap. Non, j'ai besoin de ça pour Yanis. Attends! Tu vois les petits trucs là? Ils lui ont enlevé à l'hôpital. Il faut que j'y trouve des œufs de grenouille, sinon il parlera plus jamais. Et les œufs de grenouille, c'est un médicament? Oui. Regarde, ça c'est des œufs de grenouille. Tu vois là? Mais qui c'est, Yanis? C'est mon frère et j'ai vu plein d'œufs de grenouille du côté de chez ma mamie. T'es pas orphelin alors? Un orphelin, il a pas de mère et pas de père. Il a pas de frère et pas de grand-mère. Je te dis que je suis orphelin. Ma mère m'a abandonnée dans la rue quand j'étais encore bébé. Comme ça, dans un carton avec Yanis. Alors elle est où ta mère? Elle est partie. Elle voulait plus de nous. J'ai plus que ma grand-mère. C'est triste, hein? Et ta grand-mère, elle te laisse dans un carton? Non, ça c'est pour les animaux malades. Et elle les soigne? Oui, on a un lapin qui a une oreille toute infectée. Et puis un hérisson qui se repose dans le placard. Et mon crapaud de trompette que je viens juste libérer. Tu crois qu'elle a besoin d'une assistante? Oui. Et moi, je l'aide pour mettre les bandages. Et je t'accompagne. Tu connais la route? C'est par là. Ok. Nous partons à la rencontre des animaux et malades. Et des œufs de grenouilles.
Maman, notre bus va bientôt arriver. Faut qu'on y aille, c'est l'heure. Hé, Elminus, tu viens m'aider? Yanis! Yanis, ne t'approche pas trop du bord! Maman? Je t'aide seulement si tu me montres encore une fois. Ah... Et alors, ils vont me couper ce truc-là? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Des œufs de grenouille. Tiens ma force, je descends. Je tiens plus. Arrête de râler. Serre fort, t'as pas intérêt à me lâcher. C'est pas vrai, t'es trop nul. Arrête de te foutre de moi. Je trouve ça marrant, c'est tout. Et maintenant, regarde, à cause de toi, tous les œufs ont disparu. Hein? Par ta faute, je parlerai plus. Alors tu ne pourras plus parler? Non, je parlerai plus jamais, voilà. Hé, hey, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Yanis, mais enfin, qu'est-ce que je t'avais dit? Allez, remonte. Oh. Vite, donne-moi ça. Tiens. Alors, voilà, génial. Maintenant, tu vas devoir aller à l'hôpital en pyjama. Lève les bras. Tiens. Ah, maman, Max doit aller au lit à 7h30. Surtout pas plus tard, hein. Je compte sur toi. Je vais dire au bus de vous attendre. Oui, bonne idée. Oh, maman, peux-tu mettre les affaires de Yanis à la machine et les faire sécher? Comme ça, quand tu viendras le voir à l'hôpital, tu me les ramèneras pour... Tiens. C'est vrai que tu ne parleras plus? Quand tu auras trouvé des œufs, je reparlerai. Les œufs de grenouille, ça peut tout guérir. Tu sauras les reconnaître. J'ai pas le droit de m'approcher de l'eau. Ce sera notre secret. Stop! Viens, Yanis, vite! À bientôt, mon pauvre. Allez. Secret est compris. Tu y arriveras? Ok, on a tout. Allez, vite, monte! Dépêche-toi! À bientôt! Pas envie d'aller voir ton frère? Non, ne vous en faites pas. La fièvre a baissé et l'infection devrait disparaître dans quelques jours. Oui, il dort pour l'instant, oui. Oh, Max est là. Je t'appelle tout à l'heure. Oh. Hey. Salut. Alors? Salut. Alors, c'était bien chez mamie? Oui. Écoute, tu peux rentrer. Mais faut pas faire de bruit, ok? Mes bras sont trop courts, je pouvais pas les attraper. Alors, mon grand, ça va? Tu te sens bien? Oh, tu viendras dormir chez mamie bientôt, oui? D'accord, marché conclu. Allez, je vais dire au revoir à maman et je m'en vais. Sois gentil avec ton frère, toi. Hein? À bientôt. Au revoir. À plus tard.
J'ai essayé de les attraper. Bonjour. T'es réveillé? Le médecin voudrait t'ausculter, d'accord? Yanis? Ouvre grand la bouche. Ah? Ah? Faudra faire attention pendant quelques jours. Ouvre, ouvre grand. Tu restes par ici, hein? Mamie! Tu as fait tomber quelque chose? Non, je cherche des œufs de grenouille. J'ai jamais vu de grenouille par ici. Il faut aller à la campagne pour ça. Tu peux me laisser passer, s'il te plaît? T'as pas de parents? T'es vraiment orphelin? Oui. Au revoir! Bon voyage! Allez, viens, Max. Faut aller s'occuper des animaux. Mamie? Oui? Est-ce que Yanis ira mieux quand il sortira de l'hôpital? Oui, de toute façon, c'est qu'une toute petite opération de la gorge. Et après, est-ce qu'il pourra parler? Non, pas tout de suite. Max, approche, viens voir. Oh, une grenouille! Non, c'est un crapaud. Tu vois? Sa patte est presque guérie, regarde. C'est parce que tu lui as donné des œufs de grenouille? Pourquoi des œufs? Oh non, pour rien. Je peux le prendre dans mes mains? Oui, bien sûr. Voilà, comme ça. Il est mignon, hein? Pose-le par terre. Comment il s'appelle? Trompette? Salut, crapaud. T'as l'air guéri, toi. Regarde. Regarde celui-là. Un hérisson. Oui. C'est quoi sa maladie? Il était un peu faible. Mais il va beaucoup mieux. Tu peux le toucher, tu sais. Oui. Voilà. Son oreille s'est infectée. Il faut lui changer son pansement. Bravo, très bien. Maintenant, un morceau de sparadrap. Voilà. Et maintenant, est-ce que vous pourriez me passer cette bouteille, là, docteur? Celle-ci? Oui. Et tu mets juste quelques gouttes. C'est bien.
Maintenant, tu prends le coton et tu le poses sur son oreille. Juste sur la blessure. Tiens-le bien. Tu fais un très bon docteur, toi, hein? Il est mignon, son nez. Il est adorable. T'as vu quand il tortille le bout du nez? Je vais me promener. Hé! Mais j'ai encore besoin d'aide. T'as pas dit que tu voulais manger des crêpes? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Un peu de farine. Et une poêle. Attrape-la. Un, deux et trois. Des œufs. C'est parfait. Encore un œuf. Et maintenant, la farine. Oh ! On en a mis un peu trop. Maintenant, moi, je verse le lait et toi, tu remues. Tu bats bien. Allez, remue bien fort. Oui, continue de remuer. Très bien. Encore un œuf. Vas-y, casse-le. Comme ça. Et maintenant, on met la poêle sur le feu. Miam, miam, ce dit mon bidon. Faisons des crêpes, oh oui que c'est bon. Mettons au choix du chocolat ou du sirop. En tout cas, je suis sûre que je vais en manger des kilos. Ouais! D'abord une cuillère de beurre dans la poêle. Les crêpes de Mali, ça vaut bien 4 étoiles. Pas bien sortir les crêpes, c'est vraiment sucré assuré. Tout le monde peut y arriver, faut juste penser à la retourner. Poum! Miam, miam, ce dit mon bidon. Faisons des crêpes, oh oui que c'est bon. Mettons au choix du chocolat ou du sirop. En tout cas, je suis sûr que je vais en manger des kilos. Ouais! 1, 2, 3, 4, et ça saute! Oups! Oh oh! On va quand même pas manger au plafond. Oh petite crêpe, peux-tu m'entendre? Patience, Max, elle finira bien par descendre. Je vais attendre. Max, attention, ne rate pas ton coup, elle va tomber sur le plancher. Regarde, je vais l'attraper avec mon nez. Mettons au choix du chocolat ou du sirop. En tout cas, je suis sûre que je vais en manger des kilos. Regarde, mamie. Très jolie. Elle est très belle. C'est dommage de la manger. Tu sais quoi? On l'accroche au mur. Hey! T'es content? Mamie? Oui? Est-ce que je peux aller jouer dehors maintenant? Ce soir, il faut que tu ailles te coucher tôt. Tu dois dormir. Demain est un autre jour, hein? On le relâchera dans la nature tous les deux demain matin? Oui. C'est pour toi. Merci. Les moustiques. Des bourdons. Regarde ces trompettes, ça! Oui! Je peux le sortir du seau? Oui, bien sûr, si tu veux. Mais fais attention de ne pas marcher dessus. Allez, mets-toi au lit. Voilà, je vais te border. Tu fais un gros dodo, hein? Oui. Enfin, trompette! Alors là, tu exagères! Tu vas empêcher Max de dormir! Bonne nuit! Bonne nuit!
Demain matin, tu vas retrouver la liberté. Et moi, j'irai chercher des œufs de grenouille pour Yanis. Bonne nuit. Dors bien, trompette. Alors, on le relâche? Oui. Oui? Attention, il va se transformer en princesse. Tu veux bien le tenir un instant? Non, pas ici. Max, on dirait que Trompette commence à s'impatienter. Ici. Tu en es certain? Oui. Comment il va faire pour retrouver son chemin? Oh, ça, ne t'inquiète pas pour lui. Au revoir, Trompette. Allez, salut, Trompette. Prends bien garde en traversant la route. Allô? Ah, bonjour. Ok, ok. On arrive. À tout à l'heure. C'était maman. Yanis a été opérée. Viens. Mais je voulais jouer dehors. On arrête avec les mets. Allez. Au revoir, Trompette. Bye bye, Trompette. Je vais chercher nos affaires. Moi, je vais jouer. Pas près de l'eau, hein? Max, où es-tu? Max, on va être en retard. Voilà. Mais qu'est-ce que tu as? Rien, je sautille pour m'amuser. Ah, d'accord, sautillons pour nous amuser. Allez, viens. Yanis va nous attendre. Tu m'aides à pousser? Oui. Allez, Max, pousse. Tu peux descendre.